Salut à toutes et à tous, c'est Timur. On se retrouve sur Humanite Z et on va continuer à avancer. Alors aujourd'hui, j'aimerais bien attaquer le camp de bandits qu'on avait croisé lors de ma première partie, la partie découverte qui n'avait pas duré très longtemps. Donc c'est parti, on va s'y rendre. Comme ça, on va pouvoir tester ce gun-là qui donne quand même, voilà, de la distance. On a de la distance. On va voir si ça fonctionne, si ça peut nous permettre de les vaincre. Nous poursuivent et qu'on n'y arrive pas trop, on se cassera. Tout simplement. Alors je me demande ensuite si tu te mets comme ça, c'est plus loin, je m'en rends pas compte. Ah, légèrement plus peut-être. À méditer. On verra ça sur place. J'espère qu'une ou deux balles suffisent. Et que ce sera pas trop compliqué. Même si on peut avoir des doutes. Alors je ne trouve plus le ciment. J'ai refait un petit tour ici. Je sais plus où il était. J'avais laissé un truc de ciment, mais je n'ai pas retrouvé. Et donc c'est bien dommage. Là on est vite arrivé là, donc on sera vite arrivé à notre ancienne base. Et du coup après, je crois que c'était sur la droite. Là ça va être rapide. J'espère qu'on va trouver les parties de véhicules qu'on cherche. J'espère aussi pouvoir trouver du fer parce que j'ai trouvé plein de trucs différents, du salpêtre. J'ai trouvé aussi du charbon. Mais pour l'instant, j'ai pas trouvé. Hop. Je pense que c'est par là. J'ai pas trouvé le fer. Peut-être sur cette route, hein. J'ai l'impression que c'est aléatoire. C'est pas forcément aux mêmes endroits. Selon la partie. Ah, c'est le mauvais chemin. Moi, c'est pas grave. On va faire ces aides-là et on va faire la voiture. Attention. Parfait. Petit groupe de Z qui traînait là. Et il y a une voiture avec un tournevis, ça valait pas le coup. Alors on fait comme ça on économise de l'arme. Attends alors, si t'étais pas par là, c'était dans l'autre sens. On va remonter tranquille, il me semble qu'il y avait des voitures sur le chemin en plus. Donc il me manque que la courroie. On espère qu'on va trouver ça. Pour l'instant, on n'en a pas vu. Et avec une petite courroie, on est bon. On pourra se déplacer en voiture et voir ce que ça donne. On va la remonter encore un peu. Je pense que c'est au-dessus. On va essayer d'avoir une bonne visu. Et de ne pas se faire tuer. Normalement, ça patrouille. Faut avoir ceux qui ont des guns parce qu'il y en a un qui avait une batte ou un truc comme ça. Et c'est plus simple du coup. Alors est-ce que c'était là? C'est marrant, je me souvenais pas qu'il y avait ça avant par contre. Faudra faire la maison retour du coup. Une petite baraque et normalement il y a des palissades en fer. Oh, il y a un truc par là aussi. Oh. Intéressant. Oh, je pense que je me trompe là, c'est pas possible. D'accord, je suis revenu là, ouais. Non, c'est pas le bon chemin. Bon, je repars en arrière. Alors, ici. Ici, ça me parle. Oui, ça y est, on est sur le bon chemin. On va récupérer ça, on en profite. Voiture. Ok. Donc là, c'était le coin de spawn de départ de la dernière fois. En tout cas, pas très loin.
Ça, qu'est-ce que ça peut être? Est-ce que c'est du fer? Ce serait bien quand même. Pour l'instant, j'en ai pas trouvé. Encore du salpêtre. J'ai pas envie de m'embarrasser trop parce que c'est lourd. Donc ce que je pourrais faire en attendant, c'est le poser sur la route et puis le récupérer plus tard. Voilà. Et on progresse. On arrive dans cette zone, plusieurs véhicules, dont un véhicule qui peut être conductible. Peut-être, je dis bien peut-être qu'on va récupérer ce qu'on souhaitait. Tu vas en profiter pour manger ça. Pas prendre trop. Yes. Allez, la courroie. Et non. Que dalle, mais un garage. Avec, je crois, un meilleur sac. Et non, le même. Ah, pas de chance. Une petite roue, c'est bien. Ça, c'est vide. Allez, fais-nous rêver, là. Et non, elle nous fait pas rêver. Et toujours pas. J'aurais bien aimé du ciment, c'est dommage. On va remonter un petit peu plus. Je pense qu'on n'est pas loin. Donc faudra faire attention. Hein. Ah, il y a quelque chose là-dessus. Ah bah un autre pistolet. Un fusil de chasse. Un Vatori. Full. Il a une lunette. On va venir le rechercher, c'est pas grave. Ça va attirer sûrement, mais peut-être pas. Hein. On est au milieu de nulle part. Donc. En profiter pour bouffer du coup. Voilà. Et normalement, on va avoir les palissades sur le côté très bientôt. Là, c'est peut-être du fer. Ah. Il y avait un camp avant peut-être. Peut-être que ce soit du fer, allez, on va regarder. Encore du salpêtre. Non, du fer, yes. On en a. Purée, j'ai galéré pour en avoir. Je vais le mettre sur la route, pareil. Pour éviter d'être chargé pendant l'attaque. Parce que je pense que c'est très lourd. Et on le prendra au retour. Là, ça doit être la dernière possibilité. Je pense. Je vais voir si ça fait repop encore un peu. Non, il n'y en a plus. Donc on le met là. On en a récupéré 9. À prendre sur le retour. Ici, il y a un petit camp. Il y a du Z de mauvais, là. Il faudrait qu'il y ait un garage là-dedans. Et peut-être du ciment, ça serait bien. Attention à lui, il est toxique. Donc on s'en écarte, le temps qu'il dépop. Ah, il y a effectivement du monde. Il y aura peut-être une voiture aussi là, et éventuellement une courroie. Attention. Il est pas encore mort. Le coup de pirate. C'est bien. Qu'est-ce qu'il y aurait dans ce petit sac? Eh bé, consume ça. Tu bois. On va se faufiler par là. Ouais, une voiture, c'est bon. Peut-être une courroie. Tu nous donnes, toi.
Allez, on prend pour l'instant. On esquive le gros. Lui, il meurt vite. Il court vite, mais il meurt vite. Oh, je me suis bloqué dans la balançoire. Et donc, ici. Hop. Oh, elle a l'air en bon état. Mais il n'y a pas. Ah, c'est pas de bol, hein. Le truc qu'on a le plus de mal à trouver, quoi, en gros. Oh, là-dessous, du ciment. Je le sens bien. Ah non, mais une arbalète. Faudra revenir. Faudra revenir pour prendre ça. Là, je vais me casser. Ah non, il y a un autre endroit. Nouvelle chance de ciment. Allez, viens là, toi. Et ça meurt. Sois maudit. Oh bah, t'es pas solide. On va jeter un petit coup d'œil au skill. Un point seulement pour l'instant. On va attendre. Alors, là-dessous. Encore une scie. Bon, pour l'instant, j'ai pas m'embarrassé. Pas de ciment. Ça veut pas. Attention, gros, là. Je vais essayer de me barrer. On va voir s'il suit. Je pense qu'il suivra pas. Je regarde, je suis pas trop chargé. Ça va. Il y a des choses à reprendre sur la route. On n'oublie pas. On doit plus être très loin. On doit être tout proche. Oh, c'est bien ça. Il est tout fait, franchement, on prend. Ici c'est le mien. On a récupéré mieux. C'est pratique ça. On a une vue lointaine. Cinq balles dedans, 15 balles. On est au bon endroit. On va se décaler. Pour pouvoir observer. Et on les voit pas. On sait qu'ils sont là. Voilà, un. Deux. Ok. Il est mort. Parfait. Normalement, ils sont trois. Je pense. Il n'en reste qu'un. C'est bien cette arme. Je pense que je vais avoir 10 fois trop de trucs. Ok, il va ressortir. Il est rentré là. Allez, tu sors? On sait que t'es là.
Eh bien, impitoyable le sniper. Voyons voir ce qu'ils ont sur eux. Ok, ok. Attends, alors on va faire un truc, c'est que... On va poser des choses par terre. Pour pouvoir prendre ce qu'ils ont. Parce que j'imagine que les corps des pop. On va tout mettre là. Tu peux ranger, s'il te plaît. Voilà. Ça, c'est pas pratique, hein. Voilà. Donc, on a deux pompes qu'on met au sol. Puis, il y a l'autre mec ici. Alors, on a un sacré complexe à visite, du coup. Et lui, il a une machette. Intéressant. Là, ça nous fait plein de trucs au sol. La machette, elle est à 37%. Bon, je vais la poser aussi. Ça, c'est fait. Alors, on avait vu que il y avait un chemin pour monter et aller vers cette caisse-là. Attention, vas-y, grimpe. Et apparemment, il veut pas. Une blague. Alors ça serait sur la camionnette. Ouh, ça va bien m'énerver ça, je le sens. Ok. Approchons-nous pour ne pas tomber de cette planche. Il y a déjà ce truc. Une MRE. Il y a un shotgun en plus. Et puis il y a toutes ces balles là. Donc parfait. Ça fait beaucoup de shotgun, hein. Voilà, on va les poser à côté de tout ce qu'on a mis là. Et ensuite, il faudrait que je trouve une voiture. Je vais récupérer quand même ma pickaxe. Voilà. Elle, je voulais la garder. Si on trouve encore un petit peu plus de fer. Une batte de baseball. Combien? 51. Voilà, limite. Je vais laisser plein de trucs dans cette caisse-là. Des choses qui sont par terre. Voilà, comme ça on peut se récupérer les trucs tranquille. Moi je reprends ça, je repose ça. J'ai la crowbar, je vais la laisser, je vais prendre la batte. Et j'ai posé le marteau ici, c'est très bien. Et on poursuit. Un petit feu. Il n'y a pas ce qu'on souhaite pour l'instant, il n'y a rien là-dedans. Donc là, ils font la cuisine, c'est ça? Ok, on va voir dans les bâtiments, ils ont l'air imposants. J'espère que c'est bien. Des gants noirs. 64. Je vais les équiper. Il n'y a pas grand chose a priori là. Du barbelé ici, ça se voit. On peut ouvrir. Hop. Mais il n'y a pas les choses que je veux, c'est ça qui est embêtant. Moi, c'est courroie et ciment, quoi. C'est tout bête, tout simple, je veux ça. Et malheureusement, on ne trouve pas. Il y a deux machines à laver. 51 contre 37, on change. Ouais, mets-le.
Et dans celle-là, une casquette, ok. Une jolie maison où on peut pas monter à l'étage. Elle est grande, mais en fait, voilà, en haut, on peut pas y aller. Et puis, ici, un sac comme ça. C'est mieux, yes. On va l'équiper. Tu veux pas l'équiper? On va drop le nôtre. Équiper celui-là. Oui, il est dans le nôtre, tout récupéré. On a une ligne de plus, c'est parfait. Là, on gagne au change. Oh, il y a une caisse de mun, je pense, là. Un gun comme ça. Ah ouais, d'accord. Ah ouais. On va équiper un gilet pare-balles. Et cette arme-là en plus, une mine. On va porter ça. Ah, on commence à être bien là. C'est pas mal. Bon, pareil, je vais pas me trimballer avec l'arme, je vais la poser. Il faudra revenir chercher le tout. Mais franchement, on fait une bonne affaire. En venant ici. Ouais, pareil, c'est bloqué sur le haut. Ici, je vais pouvoir peut-être boire. Ouais, je vais le faire. Comme ça, on est à fond. Et puis, j'aimerais bien trouver un véhicule au moins avec une courroie, quoi. C'est incroyable, il ne trouve jamais rien. Comment on va faire ici? Est-ce qu'il restait une place? Et non. Pour se débarrasser de cette mitrailleuse, on va mettre dans la camionnette là. Où il y a d'autres trucs à prendre. Voilà. Obligation de venir rechercher tout ça. Alors j'espère qu'il repop pas. Ah ouais, j'espère qu'il repop pas en fait. Mais je pense qu'ils doivent repop. J'y pense d'un coup. Ah, j'ai pas ce que je veux, ça me dégoûte. Je vais regarder à peut-être transvaser les trucs ailleurs. Si ça repop, c'est vrai, j'y pense, j'ai pas envie de me les retaper hein, au final. Bah, je vais faire ça en off. Je vais aller reposer un peu plus loin. Et sans transition, on se retrouve ici, un petit peu plus haut. Je crois qu'il y a du fer. L'un des deux est du fer. J'en ai pas beaucoup, hein, quand même. Je vais vérifier. On sait jamais. De la pierre. Ah d'accord, on peut aussi récupérer de la pierre. Ça, ça ressemble plus au zinc, j'ai l'impression. Bon bah, c'est du fer. Tant mieux. Ça me va très bien. Alors, entre-temps, j'ai coupé. Donc, il risque d'y avoir une repop des bandits juste en dessous. Et j'ai lu un commentaire qui m'indique que j'ai déjà ce qu'il faut niveau courroie pour la voiture. Je l'avais dans un coffre. Un coffre de voiture. Donc, on va retourner à la base ensuite pour vérifier ça, pour checker ça. Parce que c'est tout bête, quoi. Si je l'ai... On est ok, on est paré. Entre temps, on aura peut-être trouvé 2-3 trucs en plus. Voilà, j'ai du fer, c'est bien. J'en ai un petit peu plus, j'en ai laissé sur la route tout à l'heure. Attention, on a ça pour voir de loin. Une station-service ici. Des fois qu'il y aurait aussi des bandits. Station-service. Très très bien, c'est ce qu'il me faut. Si on revient avec de l'essence en plus, c'est tout gagné. Waouh. Génial. Il n'y a pas de Z, il n'y a rien, c'est tranquille. Est-ce qu'on peut fouiller les pompes? Ah. Est-ce que ça c'est plein ou c'est vide?
Drop, swap. Est-ce qu'on peut, quand on en a, venir se servir à la pompe? J'ai pas l'impression. Tiens, de la bouffe pour chien, j'en avais jamais trouvé, c'est la première fois. Je vois que j'ai soif, donc je bois. Je suis trop chargé, hein. Je suis très très chargé là. Donc je peux plus courir ni rien. On va faire attention. Et on va se bouffer aussi une petite barre. Pour l'instant, on est plutôt pas mal. Et tu vas ronger à la limite ça pour prendre la batte. Je regarde si éventuellement on a d'autres jerrycans, mais non. Il y a beaucoup de voitures. Normalement, celles qui faisaient la queue, elles n'ont pas d'essence. Ça serait logique. Waouh, encore. Oh, je fouille, mais je peux pas prendre. Je vais aller voir là-dedans. Ok, là, ça serait plutôt de la nourriture. Et j'aimerais bien un endroit où il y aurait du ciment. Alors, si en plus on a le ciment, je veux dire, on est très bien. On est parfait là, ça serait une petite laverie, ça m'étonnerait pas. Souvent, il y a des laveries automatiques comme ça, juste à côté. Donc, ça serait plein de fringues là-dedans. Il y aurait... Ouais. C'est ça. C'est logique. Bon, il n'y en a que deux? Non. Il y en a plus. C'est très PZ, ça. La laverie juste à côté de la station. On va essayer d'entrer dans la station pour voir. Elle est fermée de ce côté. Est-elle fermée de ce côté aussi? Oui. Heureusement, on peut faire ça. Ah, j'ai de l'eau. Je peux stacker. C'est pas mal. Ouais, les bouteilles, c'est bien. Hein. C'est ce qui désaltère le mieux, donc... on en profite. Il y a aussi du lait, et puis, il n'y a pas grand-chose, au final. Mais on a le jerrycan. C'est tout ce qui compte. Bon, comme je peux pas trop marcher, que je pense qu'ensuite, en cours de route, je vais récupérer d'autres choses, on va s'y mettre d'emblée. On va redescendre, aller vers la base. Et on regarde justement si on peut avoir la voiture. Au passage, on regarde si ça repop les bandits directement. On va switcher comme ça. Ah, d'ailleurs, pas comme ça, plutôt comme ça. Et jeter un petit coup d'œil quand on y sera. C'est-à-dire maintenant. Sont-ils encore là? Attends, tourne-toi dans le bon sens. Eh oui, ils sont revenus. Donc attention à ça. C'est-à-dire dès qu'on quitte la map et qu'on revient, ils reviennent. C'est un petit peu bof, je trouve. Mais bon. Ou alors il faudrait qu'il y ait un temps, un petit cooldown, quoi, au moins. Pour dire d'autres arrivent et s'installent au même endroit. Je pense que le soir arrive, par contre. Alors j'ai mis des trucs là-dedans. Et on va devoir bouger un de ces quatre pour récupérer tout ce qu'on a laissé éparpillé à droite à gauche. Et trouver du ciment serait vraiment génial. On va se faire des lingots là. Comme ça on peut ajouter les lingots et je pense la prochaine fois on fait une sortie ciment. Et avec une voiture, on va pouvoir se gaver. En plus, j'ai un sac où je peux mettre une ligne de plus. Tout va bien. Hein. Alors, j'aimerais bien juste trouver mon fer et après, comme ça, je coupe. Et on se retrouve à la base. Je sais plus où il était. Ah, bah, il est là. À moins que ce soit autre chose. Non, c'est le fer. On va être méga chargé. Allez, c'est parti, on rentre. Voilà, j'arrive chez moi en passant complètement par la pampa. Je vais aller chercher le truc que j'avais dû récupérer dès le départ.
Donc ça serait ça. Eh ouais. Ah bah merci. Excellent. J'ai posé l'iron. Ou alors, on prend des allumettes. Et on se fait ça direct. Regardez ce que ça donne. Il y a plein de trucs partout. Hop. C'est allumé. Et comme ça, je peux raffiner. Il en faut 3. Ah ouais, d'accord. Bon, ça va être long, donc. Enfin, ça va être vite fait, plutôt. Ça nous fait ça, ça nous fait ça, ça nous fait ça, ça nous fait ça, et ça nous fait ça, plus 1. Et on s'est débarrassé de tout le fer qu'on avait. Ça nous fait 10 lingots. Ouais, il n'y a plus de place là-dedans. Je vais les mettre déjà dedans. C'était pour fabriquer ça. Je pense que c'est bon. Hein. 4 placés dedans. Il manque plus que le ciment. Il manque le plus important, ce qu'on trouve jamais. Le petit lingot qui est fait, je vais le poser par terre. Ouais, vous voyez, sinon j'ai du salpêtre. J'ai plein de trucs en fait. J'ai ramassé plein de choses. Je vais drop ça. Est-ce qu'on a encore des problèmes de poids? Ouais. On va poser le méga sniper qui faisait du bien. Normalement, ça va mieux. Par contre, ouais, ça n'arrange pas la visibilité qui reste médiocre. Allons vite à notre camion. Et la prochaine fois, comme ça, on peut se faire une virée. Hein. Là, ça va être carrément bon. Ah, j'ai pas placé les autres trucs. Bien joué. Condition. Bah, il est presque à fond. Je pourrais le réparer. Je vais mettre de l'essence s'il y en a dans ce bidon. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr du tout. Parce que là, on en a pas tant que ça, finalement. Ah ouais, c'est vrai que c'était à 200 à l'heure, ce truc-là. Ok, il verse. On peut effectivement siphonner. Hein. Ouais, c'est bien. On va garder ça dedans pour siphonner, ça pour réparer. Peut-être un petit peu de flotte aussi dedans et à manger. Pour la route. Le reste, comme ça, je peux le poser. Je me dépêche. Je vais aller chercher les autres éléments. Donc il y avait la pompe et puis un autre truc. Comme ça on va venir au moins le garer. Et c'était là. Donc il y avait ça et il y avait ça. Excellent. C'est bien quand il y a la lune, on y voit un petit peu plus clair. On va voir si on a de la place pour ranger des trucs. Par exemple. On peut faire que 2 roues à la fois. Ouais, bah finalement, j'ai pas trop le choix, je vais faire comme ça. Là-dedans, j'ai placé un petit peu de bouffe. Le peu que j'ai, me débarrasser des jumelles. Là-bas en dessous, on va replacer toutes les balles comme ça. On va voir si on peut en stacker d'autres. Peut-être je vais emporter ça et ça dans mon périple. Comme ça, ça me permet de poser en même temps. C'est par 24 les balles. La mine, ça se range là? Non. Donc on n'a pas beaucoup de place. Hein. Là, il n'y en a plus. Ouais, je vais mettre la mine là, tant pis. J'ai pas trop le choix, ça je vais le garder pour me soigner. Je me débarrasse des allumettes. J'en ai pas vraiment besoin, mais on sait jamais. Soin, ouais, c'est pas mal. Le piège à ours. J'en ai pas besoin. On a une place là. Parfait. Ça on pourrait l'emporter parce qu'on en a peut-être besoin pour siphonner. Et normalement j'ai tout, on va voir. On va voir si on peut ramener le camion. Ça serait top. Et comme ça, on part la prochaine fois. On attend la nuit et on s'en va.
On a tout. Là, il démarre. Excellent. Ah, ça fait plaisir. L'objectif est atteint. Je vais faire le petit demi-tour. Comme ça, on est prêt la prochaine fois à partir. Hop. Nickel. Bah écoutez, on va se laisser là pour aujourd'hui, c'est pas mal. Et puis la prochaine fois, road trip. Allez, salut!